et bienvenue sur la 16e vidéo de notre aventure en Indonésie. On a quitté Nusa Penida hier et nous voici donc arrivés au sud de Bali. On a trouvé un petit logement proche de l'aéroport pour pouvoir repartir plus facilement. Et donc on a quitté Nusa Penida hier, on a pris un bateau qui nous a mené jusqu'à Sanur. Et c'était assez épique parce qu'en fait il n'y avait pas de quai en fait pour que le bateau puisse accoster. Et on est arrivé dans l'eau, en fait on a quitté le bateau, les locaux qui travaillaient dans le bateau nous ont dit bon bah c'est là que vous arrivez. On avait l'eau jusqu'aux genoux, il y avait les gens qui travaillaient pour le bateau donc qui prenaient nos valises et qui les déposaient sur les cailloux, sur les rochers quoi. Vraiment il n'y avait pas du tout d'endroit où accoster et nous on arrivait dans l'eau et ensuite il fallait escalader les rochers pour arriver. Et c'est les plans que vous avez vus au tout début de la vidéo parce qu'en fait on est arrivé hier, on a pris le bateau, on est arrivé à Sanur, on a ensuite pris un taxi qui nous a mené jusqu'à notre logement à côté de l'aéroport et ensuite ça a été journée tranquille, on s'est baladé un petit peu mais on n'a rien fait d'extraordinaire donc on n'a pas filmé la journée d'hier. Et donc aujourd'hui on est le 13 mai et c'est la dernière journée de notre voyage. On repart demain matin à 9h à l'aéroport. Donc voilà, aujourd'hui on va vous filmer notre dernière journée de tout notre voyage. C'est voilà la dernière journée à Bali, la dernière journée en Indonésie, mais voilà aussi la dernière journée de nos 4 mois de voyage. Petite émotion, ouais. On est donc dans le sud de Bali. C'est vrai que le sud de Bali c'est quand même beaucoup plus touristique hein, que ce qu'on a pu faire avant. C'est beaucoup plus développé pour le tourisme, il y a des grands hôtels, il y a des grands restos, il y a des grands bars, il y a plein de petites boutiques de souvenirs là comme ça un petit peu partout. Et donc voilà, on va pas avoir de mal aujourd'hui à trouver à manger ni rien. Donc là on va commencer par le repas du midi, comme d'habitude pour chaque début de vidéo. Donc écoutez, on se balade, on se trouve un endroit où manger, on se retrouve pour le repas du midi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour le repas, on a choisi la solution de facilité, on s'est posé au McDo parce qu'il y a des McDo dans le sud de Bali parce que c'est assez bien développé et on s'est rendu compte dans tous les McDo qu'on a vu en Asie du Sud-Est qu'il n'y a pas que des burgers, il n'y a pas que des menus en mode fast-food comme chez nous, ils font aussi des menus à base de riz, donc c'est ce qu'on s'est pris pour tester et vous montrer ça. Donc je vous montre ce qu'on s'est pris, bon c'est pas très grand, mais alors ce qu'on s'est pris, Marion elle a pris du poisson avec une petite sauce et du riz et moi je me suis pris du riz avec du poulet et de la sauce au poivre. Et en gros pour les deux petits plats là plus le grand coca, on en a eu pour exactement 2,80€. Donc pour les deux petits plats plus la boisson, donc franchement c'est pas grand chose. Donc écoutez, on va manger ça, mais si on a encore faim on prendra un dessert après. Bref, on mange ça, on se retrouve après. À tout à l'heure. Cet après-midi, on s'est baladé un petit peu partout là dans le sud de Bali. On est resté proche de l'aéroport. On s'est rendu à la plage aussi. C'est vrai que la plage n'est pas très loin de l'aéroport, à une petite demi-heure à pied. Donc on s'est posé à la plage. Il y avait pas mal de surfeurs d'ailleurs à la plage. Pas mal de locaux qui donnent des cours de surf aussi si vous voulez faire des cours de surf dans le sud de Bali. Et on a aussi fait les derniers petits achats, les derniers petits souvenirs. On a été dans les petits marchés, les petites boutiques un petit peu autour. Et voilà, on s'est baladé un petit peu. Et nous voici l'heure donc du coup du repas du soir. Et là, c'est le repas du soir, le dernier, vraiment le tout dernier repas de tout le voyage. Donc on s'est posé, on a trouvé un centre commercial, c'est pas un petit centre commercial, c'est un bon gros centre commercial, les gros centres commerciaux comme on a pu trouver notamment en Thaïlande, c'est vrai qu'on en avait vu pas mal en Thaïlande. Bref, on n'en dit pas plus, c'est le dernier repas. Et pour ce dernier repas on s'est posé dans une chaîne alimentaire indonésienne dans le centre commercial. Et on est donc parti sur des plats locaux pour la fin, le dernier repas. On s'est pris la même chose avec Marion, on est parti sur des plats, c'est à base de nouilles et de poulet avec des petits oignons frits sur le dessus. On a pris chacun le même plat et c'est un menu avec des petits bouillons à côté. Alors dans les petits bouillons il y a, j'ai l'impression que c'est des petites boules de porc et il y a des petites ravioles aussi à l'intérieur.
Voilà, et dans le menu, on avait également aussi deux ice lemon tea. Et on en a pris un troisième parce que sinon, on n'avait pas assez pour payer par carte. Il fallait qu'on arrive à 100 000 roupies pour pouvoir payer par carte. Donc là, on en a eu pour 102 000 roupies, ce qui fait 6,30 € là pour les deux gros menus plus la boisson. Donc écoutez, c'est le dernier repas. On se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était la toute dernière journée de notre voyage, de ce voyage de 4 mois. Il touche à sa fin. Ça fait 4 mois qu'on partage ce voyage avec vous tous les jours. Et c'était la dernière journée aujourd'hui. Ça fait un peu bizarre de se dire que c'est fini, mais bon. Là, on va rentrer à l'hôtel. On va finir de ranger nos affaires. On va préparer nos sacs pour demain. Parce qu'on part demain matin. Notre avion, il est demain matin. Et juste d'ailleurs, en repartant du centre commercial, on a quand même craqué sur la petite boulangerie qui était à l'entrée. On s'est pris des petits muffins au chocolat pour le dessert et pour le petit déjeuner du coup de demain matin. Bref, c'était donc la dernière journée. C'est aussi le tout dernier vlog. Hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de vlog demain pour l'aéroport. Là, on va rentrer, on va préparer nos affaires. Et nous, on se retrouvera en fait là tout de suite. Pour vous, c'est tout de suite. Nous, ce sera demain matin, mais pour vous, ce sera tout de suite. C'est dans la même vidéo. On se retrouvera à l'aéroport donc pour les derniers mots, les mots de la fin de tout ce voyage de 4 mois. Bref, on n'en dit pas plus. On vous expliquera tout demain ce qui se passera pour nous pour la suite. Ouais. Bref, on se retrouve demain. À demain. Bon, eh bien, on est à l'aéroport. C'est la fin. Notre avion décolle dans une heure. C'est donc la fin de tout ce voyage. Ça fait 4 mois déjà qu'on partage avec vous toutes nos journées. Tous les jours, on vous a proposé une vidéo. Presque tous les jours, on va dire. Ça fait bizarre de se dire que c'est fini, mais ça nous fait quand même plaisir déjà de pouvoir faire un petit bilan déjà de tout ce qu'on a fait maintenant que c'est la fin. On a commencé cette chaîne avec ce voyage, on était zéro hein, vraiment au début, et maintenant on est quand même pas mal de monde sur cette chaîne. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous de nous avoir regardés, merci d'avoir commenté, merci de nous avoir posé vos questions, merci d'avoir échangé avec nous. Voilà, on est partis juste tous les deux comme ça pour un voyage en Asie. C'était la première fois qu'on mettait les pieds en Asie et on a décidé de partager tout ça avec vous. Et c'est la fin de cette aventure, mais c'est la fin de ce voyage, mais c'est que le début de notre aventure, on va dire, sur YouTube, sur cette chaîne et avec vous. On a envie de vous proposer encore plein de contenu. C'est la fin de ce premier voyage. On a voyagé pendant 4 mois en Asie. Ce qu'on se dit là maintenant, c'est qu'on n'a qu'une seule envie, c'est déjà de repartir et de refaire d'autres choses et de vous reproposer d'autres choses. Ouais. Et c'est vrai que maintenant qu'on a expérimenté le voyage en vous partageant ce qu'on faisait, on se dit que ça ne va pas être possible de pouvoir repartir quelque part sans vous le filmer. Et sans vous le montrer, juste ça. Donc on a des vidéos de prévues pour notre retour en France. On a pas mal de sujets sur le voyage qu'on a envie d'aborder et qu'on a envie de vous partager. D'ailleurs, si vous avez des idées, enfin, ou si vous avez des recommandations, des sujets que vous avez envie qu'on traite en vidéo à propos du voyage, des questions que vous vous posez auxquelles on n'a pas forcément répondu dans toutes nos vidéos jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme ça, on regardera ça et on pourra voir si on peut faire des vidéos sur les sujets que vous voulez à notre retour en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chaîne, elle ne s'arrête pas à ce voyage. C'est que le début de l'aventure, on va dire. Il y a pas mal de vidéos qui sont prévues et tous les prochains voyages, parce qu'il y aura des prochains voyages, ils seront filmés. Mais évidemment, et vous seront partagés. Bref, on n'en dit pas plus, c'est la fin. Petite émotion quand même de se dire que c'est fini, de se dire qu'on va plus se balader à droite à gauche pendant 4 mois de pays en pays, de ville en ville. On va laisser nos gros sacs. On va laisser nos gros sacs et on va repartir pour un rythme de vie normal pour l'instant. Mais bon, écoutez, ça a fait plaisir en tout cas de partager tout ça avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, juste merci. Et écoutez, cette fois-ci, on se dit pas à demain, mais on se dit à bientôt.